Eh bien salut tout le monde, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur MW2 au sniper. Voilà, un petit gameplay comme ça pour reprendre du service. Et je profite de cette petite vidéo qui va pas durer très longtemps finalement pour vous annoncer que, comme je vous commente, je suis de retour. Et je vais pouvoir vous faire plein d'autres vidéos. Je vais vous proposer un autre tuto en zombie. Je vais choisir la map, je pense savoir laquelle choisir. Je vais sûrement faire une map facile pour tout le monde, comme ça tout le monde sera content, parce que le tuto sur Kinoder Toten a beaucoup servi, il a été vu plus de 370 fois, donc ça me fait vraiment plaisir. Et aussi je voulais vous remercier, je sais pas si c'est à cause de cette vidéo, ou non, pardon, grâce à cette vidéo que j'ai gagné à peu près 10 abonnés pendant mon absence, ce qui est quand même incroyable. Parce que ma dernière vidéo, donc mon tutoriel sur les plugins, n'ont pas été bien vus, hein, à peine 20 vues, même pas je crois. J'ai dû gagner des abonnés grâce à mes autres vidéos. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Voilà. Alors, on va vous parler un peu du gameplay. Je vais vous parler un peu du gameplay. C'est un gameplay que j'ai réalisé le matin même, je vous le commente. Là, je commente l'après-midi, mais je l'ai réalisé ce matin. Et c'était un plutôt bon gameplay, que je jouais à marathon, et c'était en mêlée générale, et j'ai fait un bon score, vous allez voir ça à la fin. Donc voilà. De quoi je voulais vous parler aussi, bah c'était tout simplement de mes futurs projets à venir. J'ai plein plein d'idées en tête. Vous allez me dire, oui, mais tu nous en parles dans d'autres vidéos et tout, mais on n'a jamais rien vu, bon c'est vrai. Mais il faut que je prenne sur moi et que je vous propose d'autres vidéos parce que voilà quoi, vous êtes mes abonnés, je me dois de vous faire des vidéos pour que vous continuiez à les regarder. Donc si n'importe quoi. Si vous aimez mes vidéos, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter, surtout commenter, franchement ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des commentaires sur mes vidéos. Des fois des commentaires instructifs, donc ça m'aide à progresser. Et des commentaires, bon, j'aime pas trop les insultes, après, comme vous voulez, hein, mais bon, c'est toujours mieux des commentaires constructifs. Enfin voilà, et aussi, je suis en train de préparer l'épisode 2 des killcams en privé, donc j'ai un peu plus de 22 killcams à rentrer dans un seul épisode, et plus de 5, 6 ou 7 hitmarkers que je ne mettrai pas dans cet épisode, je ferai un truc à part pour les hitmarkers, histoire que vous rigoliez un petit peu. C'est vraiment dégueulasse, donc la plupart des trickshots, enfin même pratiquement tous les trickshots, je les ai réalisés avec Paolo. Donc le gamer tag c'est iFitzy, vous avez sûrement dû le voir dans certaines de mes vidéos. Et lui aussi, en fait, c'est un espèce de dualtage dans cet épisode 2. Donc c'est vraiment sympa, il y a de très très belles killcams, donc vous verrez ça quand j'aurai fini. Pour l'instant. Je m'en occupe pas trop, j'ai découpé tous les kills, il manque plus qu'à éditer. Ça devrait me prendre. En ce moment, j'ai pas trop le temps, cet après-midi, j'ai quelque chose à faire. Enfin, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Si, j'ai le temps, mais il faut que je m'y mette en fait. Faut vraiment que je m'y mette. Et ça me décourage beaucoup parce que mon ordinateur, c'est vraiment de la grosse merde. J'ai à peine un dual core de duo donc. Il n'y a vraiment pas de puissance et de rapidité, ça rame énormément, je vous promets, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je peux pas trop utiliser mes logiciels. Donc là je suis en train d'économiser pour un ordinateur beaucoup plus puissant en revanche, avec le processeur Quadricœur Intel Core i7, 8 Go de RAM et tout, donc ça risque d'être de la bombe furieuse. Et avec ça, je pourrais éditer tout ce que je veux, ça sera un pur bonheur. Mais bon, on n'y est pas encore, je suis très loin du budget qu'il me faudrait pour l'acheter, donc j'économise, j'économise. Je vais sûrement aussi beaucoup aider mon père pour qu'il me donne de l'argent en retour. Donc ça me bouffera pas mal de temps aussi, étant donné que ce sera un travail à plein temps. Donc voilà. Mais j'essaierai de vous poster une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, parce que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines, ça me manquait et tout. Et vous aussi, vous avez le droit d'avoir des vidéos, donc je vais essayer d'en faire pas mal. J'ai l'intention aussi de faire un zombie, donc avec mon ami Paolo, ou iFitzy, comme vous voulez. Ou avec d'autres potes, je verrai.
sur la seule map qu'il a, ce couillon, c'est-à-dire Kinodar Toten. Donc on va essayer d'aller loin, on se fera peut-être un zombie coup de pute, c'est-à-dire que on essaie de tuer l'autre. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'il se fasse tuer, on l'aide pas et tout, donc ça risque d'être pas mal. Pour ceux qui font dire que j'ai recopié Monsieur le V12, bon, oui, bah non. Zombie coup de pute, ça m'est venu avant, et puis ça me paraît un peu logique. Enfin, voilà. Donc, fabulé de marqueur dans le ventre, comme vous pouvez le constater. Et voilà. Donc, ça sera vraiment sympa. Et on en est à 54 abonnés, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Et j'ai une petite idée de ce que je pourrais vous donner pour mes 100 abonnés. Mais je vous cache pas la surprise, mais ça risque d'être quelque chose de vraiment, vraiment énorme. Je vous laisserai découvrir. Ah, c'est dommage, j'ai raté une triple feed, je crois, pour la kitcam. Donc voilà, magnifique flash cop pour la kitcam. On arrive à la fin de ce gameplay, j'espère que ça vous a plu, malgré que ça soit pas très très long. Vu que j'ai pas beaucoup de temps cet après-midi, mais je voulais quand même vous proposer une vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah écoutez, laissez un pouce bleu, commentez, et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. À la prochaine!